règles de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Mad Max. Donc, chers amis, nous sommes rentrés des Joes. Donc, j'ai envie d'aller voir d'abord, avant d'aller voir Chum Bucket, je vais aller voir quand même Jit. Non, lui, il ne dit rien du tout, donc on va commencer par Chum. Regardez, je trouve plus la touche pour rouler, mais je pense qu'il n'y a pas de roulade dans une zone comme ça. T'as pas l'air en forme, mon pote. Tout barbu et tout, t'as l'air moitié coupé de partout. Ok, si tu le dis. Bonjour. Ok. Les archanges, comme la Jack, sont des magnum opus très spéciales que Chum vénère. Pour commencer, accéder aux archanges. Choisissez la catégorie archange. Archange, X, oui, d'accord. En sélectionnant cette catégorie, vous verrez les améliorations nécessaires. Le vert indique celles qui sont en votre possession, la rouge, celles qui ne le sont pas. Choisissez la Jack pour connaître les conditions d'obtention des pièces nécessaires. Voilà, deux pièces manquantes. Ok. Un classique d'état désolé, d'accord. 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 Ok. Ok, je comprends comment ça marche. Voilà, je peux les installer. Sans forcément que ce soit celle que j'ai au maximum en fait. Ok, pourquoi pas. Intéressant. Ok. Donc je l'ai installé. Un classique d'état désolé. Ah bon? Voyons voir. Bonjour. But as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Okay. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. Okay, cool. Donc j'en ai déjà certains. Éclaireur, non ça je l'ai pas encore. Là ça c'est quoi? Ferrailleur, je ne l'ai pas encore non plus. Mais je vais la trouver hein. Armurerie, je ne l'ai pas encore. Soif de poudre, donc c'est la fameuse mission, ok. Le voilà, je pense que c'est ça. Puits de pétrole. Construisons. Ok. Ah, ça c'est cool. Le plein est automatiquement fait. Réserve d'eau, d'accord. Cool. Alors lui, il a repensé à mon pote, le Dinky D, donc le chien. D'accord. Maintenir et commencer la mission. The Dinky D? Do you think he made it out of the inferno that was once oui. The tabernacle? Non. Crisp. Or food for somebody. Non. No, I think he made it out. Yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Définitivement, oui, je suis d'accord. Yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Parfait. Et donc grâce à ça, on pourrait faire ensuite, chers amis.
on pourrait ensuite se faire les différents comment ça s'appelle, mince. Oui, je sais. Ah d'accord, en fait tout ça c'est un tutoriel normalement que j'aurais dû faire en quelques minutes. D'accord, utiliser la carte pour repérer, mais je sais bien. Non, mais j'ai pas envie d'aller jusque là. J'ai envie d'aller jusque là. Wow, ça c'est pute. Bon, c'est ma faute. Ah, je pensais qu'il ferait demi-tour. Apparemment, ce n'est pas le cas. Wow, j'ai des baisses de framerate dans ce jeu depuis quelques temps, chers amis, c'est naze. Je me demande si ça vient pas de Chum Bucket. J'ai vu qu'il y avait quelques baisses de framerate pour tout le monde, apparemment. Ah, c'est chiant. Je vais quand même vérifier. Un instant, chers amis. Là, ça fait beaucoup. Ah, re. Donc apparemment, ça viendrait peut-être de Fraps. Bon, on va bien voir. Normalement, ça s'est légèrement amélioré. J'ai rien dit. C'est limite si c'est pas pire. Ok. Alors, c'est nouveau. Non, là, c'est injouable. Un instant. Voilà, re, chers amis. Alors, j'ai relancé Fraps. On va bien voir, hein. Je vois déjà des problèmes. Ça qui est embêtant. Bon, apparemment le problème est pas trop problématique actuellement. On va bien voir. Ah si, j'ai un problème là. Ah, c'est chiant. Putain, mais ça me le faisait pas avant. Viens par là toi. Allez. Bon. Alors apparemment il veut pas tirer dessus parce que j'ai des lags. Ah non, il veut pas. Bon bah un instant. Voilà, re, chers amis. Alors j'espère que ça va résoudre le problème. Apparemment j'avais un problème de touche. J'espère que c'était pas ça. Parce que j'avais un problème de touche qui en fait il savait pas le jeu en fait entre souris et enfin entre du coup bah entre tout simplement le clavier et la souris et la manette. Donc je pense qu'en fait ça rentrait une chier de touche. Non, c'est pas ça. Apparemment ce n'est pas ça. Alors moi qui ai téléchargé les drivers soi-disant optimaux pour ma carte graphique, et ben ils sont pas si optimaux que ça. Enfin bon, quand on voit, regardez le nombre de trucs là qui est à l'écran. Enfin l'espèce d'effet de blur qui est à l'écran, qui normalement devrait me bouffer de la RAM. Je suis à 100 FPS et des fois pour aucune raison, je tombe à 30 voire en dessous. Voilà, là j'ai la sauvegarde. Donc bon, là je veux bien comprendre. Alors. Joie sur nous. Wouhou. Et répare. Avant d'y aller, on va réparer. C'est parti. Ah bah c'est ouvert cette fois-ci. My buggy. Dune Popper. She lives yet. Sturdier than it looks. Ah, le voilà. Found food and water too. Il y a de la bouffe et de l'eau. Salut mon pote, prendre. Faut y aller. T'as toujours la patte dans le rad. Alors, allons-y. Cool. Et vous voyez. Bon, là, après, il y a une chier de particules. Hop, est-ce que ce serait ça? Allons-y.
Non, c'est pas la carrosserie que je veux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah! Oui, voilà, c'est le ramener, tout simplement. Il est cool, son buggy. En plus, on voit bien les suspensions bouger, c'est assez impressionnant. Le chien peut flairer des champs de mine. Alors justement, en parlant de champs de... Vous avez vu ce qu'il y a devant moi? Ouh, j'ai réussi à les esquiver. Est-ce qu'on peut faire le champ de mine pendant la mission du coup? Juste pour voir. Alors. Pouf, il y a déjà une patte en moins, on va le faire renifler des champs de mine. Boum! Respectez mon autorité. Good dog. Ok, ça c'est fait. Un instant le chien. C'est bien parce que c'est pas un aboiement de chien, je dirais pas de chien gentil, mais c'est pas un aboiement de chien qu'on entend souvent dans les jeux, je trouve. Oui, oui, je t'y emmène. Let's go run, it's dog. Oh. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Je peux récupérer de la ferraille dessus. Dommage. On y va, t'inquiète. À droite. D'accord. Voyez-les doucement, hein. Hop, désamorcé. C'est génial, j'adore. Excellent. Et il nous reste un deuxième champ de mine quelque part, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas du tout. Pour moi, ce serait plutôt par là. On va essayer de le faire en même temps. On va essayer, on verra bien. De toute façon, moi, c'est l'objectif un petit peu, hein, c'est réaliser à peu près tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Un peu comme le fameux Fallout 4. Alors, je n'ai pas encore de nouvelles. Hein. Dans la même journée à laquelle j'ai tourné les différentes vidéos informations. Oula, ça va faire mal. Yeah, niveau 10. Oula. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait le deuxième champ de mine. Oula. Non, même pas. Ah, je m'y attendais pourtant. Pourquoi pas? Oh, le ciel. Mais non, mais... Tu m'envoies où, là? Putain, je veux aller là!
Et mais. Allez, j'espère. Ok. Là, il y a un champ de mine. Ah, mais c'est pas celui que je cherche. Il est content de voir qu'il les repère d'assez loin. Parce que le mien, je l'ai pas trouvé du tout. Alors, gardons un œil sur la map. Donc ce serait pas par là. Alors s'il est pas par là, où est-ce qu'il peut être? Ok, un instant chers amis. Re chers amis, alors. Après un petit peu de recherche, parce que oui, je préférais chercher que d'avoir à chercher moi-même. J'ai appris qu'elle était là, par là. En tout cas, à l'est de la zone, on m'a dit. Parce que je demande à pas être spoilé complètement, donc à l'est de la zone. Donc je pense que j'ai... Oui, l'est, c'est bien à droite, on est à peu près au milieu. Oui, c'est bon, ça devrait être dans le coin. C'est marrant parce que je passe souvent par là, quoi. Good boy. Ah. Ah d'accord, même sans me l'afficher sur la carte. Putain. C'en est un, ça? Oui, j'avance. D'accord, il y en a une là. Ok! Ah putain, il ne affiche pas forcément sur la map. Intéressant. Intéressant, d'accord. Cool, cool, cool. D'accord, donc là il me l'affiche pas, il me dit juste qu'il y en a par là. Ok. Ah, pas mal. Pas mal. Il me l'indique pas uniquement quand je vais sauter dessus. Hein. Là, ok. Allez, j'y vais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oh, merci pour la ferraille, les gars, sympa. Ok. Et l'autre? Sur la droite. Rouleur d'épave. Ah, attendez, parce que du coup, on a débloqué un nouveau truc. Au niveau des points. Intéressant. On prend... Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. Ceinture de munitions, je vais prendre aussi. Mieux, effectivement. Alors, au niveau du visage. Couvert de peinture de course. Non, surtout pas. Je pense que c'est une référence à... Je vais tout à fait faire avec vous. Je pense que c'est une référence à Mel Gibson directement. Et donc à Braveheart. Donc non, on va garder la tête normale. Hein. Au niveau du calibre. Ah. Voilà. Et il me restait donc en dernier des compétences supplémentaires. Donc les compétences, j'en ai pas pris beaucoup, je dois reconnaître. Donc on verra ça le moment venu. Alors. Ok, juste ici. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète mon chien. Sympa. Ok. Ok, donc voilà une bonne chose de fait. J'ai l'impression que je me prends pour... c'est con à dire. Plus aucune menace, route ne pas trop plus dans cette région. Ouh, c'est cool. Ça c'est cool. Donc oui, je disais. Mais on va rentrer là, c'est parfait.
Je sais plus. Je sais plus. Oui. Boum. Allez. Ok. Bien joué. Allez, angle braquage, le mien est moisi. J'ai rien sur mes pneus. Hop les. Boum. T'as perdu un bout. Reviens. Et boum. Il n'y avait pas un truc à récupérer sur lui, sur le pilote peut-être. Les bonnes chaleurs. Enfin les bonnes flammes, pardon. Hop, montez dans le véhicule. Et maintenant on rush sur la maison de Jeep parce que l'épisode est assez long comme ça. Enfin je crois. Parce qu'avec toutes les coupures malheureusement j'ai perdu un petit peu le sens du... Pas du rythme mais presque. Il y avait quoi là? Ah putain. Ah ce jeu est trop complet. Il y a des gens? Oh par contre la marche arrière. Ouh. Ouh j'en chie. Alors en espérant que ceux-ci on pourra les sauver. Parce que putain. Allez vas-y. Thank you. I'll remember this. C'est sympa ça. Alors, allons-y. Rentrons à la maison. J'ai trop bon cœur, chers amis, je crois. Alors. Il est un peu amorphe du coup le chien, pardon. Je trouve que le chien est un peu... Je suis en train de regarder le chien en fait. Je trouve qu'il est vachement amorphe en fait une fois qu'il est... À comparer à mon chien à moi, il est tranquille celui-là dans la voiture. Oh la gueule. Moi, mon chien, je peux pas le mettre dans une voiture sans qu'il aboie tout le temps. Tous les trajets en voiture avec lui sont absolument géniaux. Parfois ça m'arrive même de conduire avec un casque anti-son, pour vous dire. Enfin bon, c'est pour la petite blague. Sauvegarde. Et c'est marrant, regardez là on a plus du tout de baisse de framerate. Alors j'en parle, donc du coup il va y en avoir une. Non, il n'y en a pas. Bon. J'attendais qu'elle arrive pour pouvoir répliquer, mais non. Oula. Ok. Hello. L'abri pour le chien. Voilà. Parfait. Appelez. Bon. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Alors non, attendez avant de partir. La voleuse d'âme, ouais. Diablesse. Laurélienne. Jolie. Et normalement, à la toute fin. Voilà. Ange de la vitesse. La voilà. Elle est là, chers amis.
On est pas prêt de tout avoir, hein. Bon, bah écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et allez voir dans les liens de mon. De la vidéo, dans les descriptions de l'épisode, donc de les liens vers mon partenaire GameSubmit.com qui m'a offert gracieusement les jeux et je les en remercie. Allez, salut les gens!